Citoyens du monde, peuple de la liberté. Cela fait maintenant des années que l'on vous ment, il est temps que vous sachiez la vérité. Et cette vidéo va vous montrer, que dans le monde où vous vivez, vous ne cessez de vous faire manipuler. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous. On nous ment depuis le début, nous sommes victimes d'un complot. Et si l'activité humaine y était pour rien, et si le réchauffement climatique était naturel? Surpris? Laissez-moi vous expliquer. Cela fait des années que les gouvernements mondiaux nous affirment que les émissions de CO2, liées aux activités industrielles ainsi qu'au transport automobile, densifient l'effet de serre et changent le climat de la planète. Or, ils oublient de nous dire que le climat de la planète n'a jamais cessé de changer. Il y a plusieurs siècles, la planète entrait dans ce que les scientifiques appellent la petite ère glaciaire, et cela fait maintenant un siècle que nous sortons de cette ère glaciaire. Ce qui explique la hausse de température de ce dernier siècle. Regardez la montée des mers, on constate que la courbe est parfaitement plate, or, on sait qu'à la deuxième moitié du siècle, l'homme dégageait beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'au début du siècle. Si les émissions dues aux activités humaines étaient responsables de la montée des mers, la courbe ne serait pas aussi plate. De plus, on constate que depuis 20 ans, la température moyenne reste stable et a même tendance à baisser, alors que plus de 40% des émissions totales, depuis la révolution industrielle, ont été envoyées dans l'air ces 20 dernières années. Coïncidence? Je ne crois pas. Maintenant, vous vous demandez sans doute, pourquoi nous ont-ils menti? En deux mots. Politique et fortune. Des milliards de dollars sont versés sans cesse contre les émissions de CO2, ainsi que d'énormes taxes chaque année. Leur but est de créer la crainte et la terreur chez les populations afin de plus ou moins nous contrôler dans leur système ou à des fins politiques. Il faut aussi savoir que le CO2 est la nourriture des plantes et que ces dernières années, les cultures agricoles du monde ont connu une hausse massive grâce à l'augmentation des émissions de CO2. Ce qui aide fortement à nourrir une population de plus en plus nombreuse. Mais ça bien sûr, ils ne nous le disent pas. Bien entendu, nous devons contrôler ces émissions, car il faut laisser des énergies fossiles à nos petits-enfants, mais sachez bien que tout ce qui est vert là-dedans, c'est l'argent. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.